what you think. Don't be alone inside the world. This world is make believe. J'espère que vous allez bien. Nous voici dans la vidéo du passage au prestige 2 sur Black Ops 4 Zombies. Et à l'heure où je tourne la vidéo, bah j'ai toujours pas monté en fait et sorti la vidéo du passage au prestige 1. Donc ça se trouve la série vous plaît pas du tout comme l'époque de Black Ops 3, je sais pas en fait. Donc j'espère, sinon je me serais fait chier pour rien quoi, c'est un peu dommage. Voilà, comme sur Black Ops 3, même système à chaque fois, on va dans une partie, bah déjà commencer pour finir de monter notre niveau maximum. Et ceci fait, on quitte la partie, on passe notre prestige, on ouvre nos palladium bidouchouettes, l'équivalent des divinium. Ils auraient dû garder l'équivalent de divinium parce que là les trucs palladium, je sais pas quoi... Un peu chiant à dire comme nom, hein. Enfin bref, la recette classique qu'on a maintenant depuis Black Ops 3, tranquillement. Et puis bah, ma foi, c'est parti. Laisse un pouce bleu, ajoute-moi sur Insta. Et voilà. Mais laisse surtout un pouce bleu. Surtout, vraiment. Tu sais, le truc en l'air là, tu peux appuyer dessus, tu... Alors pour cette vidéo passage au Prestige 2, au Prestige 1 on était sur Blood, bah maintenant on est sur, sur Nine, parce que c'est une map que vous aimez particulièrement. Du coup je me suis dit, je vais la faire rapidement, comme ça fera début. Ouais, c'est ridicule. On enfile nos petites lunettes. Ah, et vous avez vu ou pas les nouvelles paires de lunettes? C'est la première vidéo que je tourne avec cette nouvelle paire de lunettes. C'est Gunnar qui me les a offert à la part Games Week. Donc merci énormément à Gunnar. Si vous aussi vous voulez des lunettes pour les écrans, on va dire. J'essaie de chercher un truc vendeur, mais je trouve pas. Non, en vrai, avant, vous m'avez beaucoup vu avec cette paire de lunettes. Attendez. Voilà, cette paire de Gunnar avec les verres jaunes. Bah, celle-ci, elle a pas les verres jaunes en fait. Enfin, elle a les verres légèrement jaunes, mais c'est plus transparent. Et c'est ça qui m'a vachement attiré sur ces lunettes. Donc, je remercie énormément Gunnar de me les avoir offert. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi servent les Gunnar, bah, petit résumé en 10 secondes. Alors, les lunettes Gunnar, c'est très simple. Ça te sert juste à moins te fatiguer les yeux devant les écrans. En gros, si tu passes beaucoup de temps dans les écrans, plus de 2 heures par jour, je te recommande fortement bah, d'en avoir. C'est pour ça que j'en porte et que je fais la promotion la marque, sinon bah, je serais pas en train de parler tout simplement. Ah voilà, en fait c'est des lunettes qui servent à te protéger les yeux des écrans. Quand tu passes beaucoup de temps sur un écran, que ce soit téléphone, ordi, télé ou quoi, c'est bien d'en avoir parce que ça te fatigue moins les yeux, du coup t'as moins de problèmes de tête et t'as moins de chance, on va dire, d'avoir des problèmes de vue à l'avenir, voilà, en gros. Voilà, j'espère que ça aura été vendeur. Si vous en voulez, moins 10% avec le code FLAPIX en description, allez-y. MDR, ça y est, je deviens vendu moi. Non, et puis du coup en description je vous mettrai aussi le lien de cette paire de lunettes là en plus du site, voilà. Je te rappelle qu'il y a 10% de réduction hein, sur Gunnar, ok, je te l'ai pas dit. Eh, je suis lourd. Donc voilà, il nous reste 26 000 points XP à passer pour, bah, atteindre notre petit Prestige 2. On est sur 9, tranquillement, manche 19. Je t'ai préparé une petite partie, voilà, pour ce passage au Prestige 2, histoire qu'on soit pas dans une manche assez ridicule, qu'on soit comme sur Black Ops 3, on faisait ça à des manches 70 et quelques. Voilà, j'aurais bien vu une petite manche 50 pour ce passage au Prestige 2. Bah, j'arrive manche 40, donc dans la partie pour le rush au Prestige 2, puis pour la vidéo, quoi, clairement. Et puis, bah à ton avis, qu'est-ce que j'ai eu à la 40, évidemment. Un écran bleu pour changer. Merci Triarch, je vous adore. 2 heures de préparation, petite manche 40 tranquille. Et bah du coup on se retrouve dans une vidéo manche 19. Ça a moins de charme que ce qui était prévu à la base quand même. Clairement ça a beaucoup moins de charme. En vrai dites moi si vous préférez, si vous me préférez. Eh mais j'arrive pas à parler, c'est ouf. Ah, je l'avais pas vu celle-là. Je me demandais en fait c'est quoi qui vibrait depuis tout à l'heure sur le jeu, mais c'était ça. Je l'avais même pas vu. Ouais. Ça va ou quoi? Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous me préférez avec ces lunettes Gunnar là ou celles avec les verres jaunes, les anciennes. Je vous invite à me le dire, à laisser un petit commentaire à ce propos là. Et oui, en fait, j'ai pas mis de casque pour cette vidéo, j'ai mes écouteurs parce que j'avais pas envie d'être décoiffé. Ça me fout la haine, tu vois, la manche 20, normalement, vous auriez dû voir une vidéo vers la manche 45 à peu près pour passage au Prestige 2. Qui pour un début de jeu est pas si mal pour moi, clairement. Et à cause d'un putain d'écran bleu, on se retrouve à la manche 20. Vraiment, je trouve les manches spéciales en soi, elles sont extrêmement longues. Genre pour que les zombies spéciaux ils spawnent. Enfin, Nine, en fait, je la trouve chiante à run. Voilà, j'ai essayé. Franchement, je la trouve très chiante. Voilà, c'est un petit avis personnel. Je dis pas que ma peine nulle, attention, puisque le secret est excellent. La map est excellente, mais juste au niveau de la survie. Moi, je suis un ancien, j'aime bien la survie classique avec quelques petits zombies classiques par-ci par-là. Et pas 4 boss à la fois, putain s'il te plaît, t'as deux Wolverine et 3 bûcherons qui t'arrivent sur la gueule, t'es là, t'es ok. Et moi je voulais juste passer des niveaux de base, ok, donc voilà. Ah voilà, bientôt un mois, enfin au moment où cette vidéo sortira pour vous, ça fera plus d'un mois que Black Ops 4 est sorti. Oui, je prends l'avance dans mes vidéos, je suis un bon youtubeur. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et faire beaucoup de dons, des très gros dons, genre 200€ chacun, sinon je vous bloque tous. Oh là là. Y'a de ça, t'as 3 zombies spéciaux, t'as 3 tigres en même temps, t'as un Wolverine qui est ici, et allez, c'est la fête de partout, t'as... Ah bah t'as un zombie électrique aussi, voilà, c'est ça en fait qui me saoule sur Nine, c'est que t'as... Laissez-moi. T'as beaucoup trop de zombies spéciaux à la fois en fait. Et c'est ça que j'aime pas en fait en zombies, c'est pour ça que d'ailleurs je détestais Zetsubou no Shima, je veux dire pour les manches, c'est parce que t'avais mes...
Tu tuais un trasher, t'en avais trois qui te spawnaient dessus après, t'étais ok les gars, vous êtes bien gentils, mais... Moi je suis en zombie juste pour faire des petites manches quoi. Pour passer mon temps à pouvoir me concentrer sur un gros qui arrête pas de m'exploser en fait. D'ailleurs normalement la vidéo qui suit cette vidéo que je viens de vous sortir, c'est les sondages zombies, le sondage zombie épisode 8, 7, 8, 9, je sais plus combien, qui se déroule sur Insta. Voilà, donc pour vous dire, voilà, dans une semaine vous aurez cette petite vidéo qui sortira, vous demandant quelle a été votre arme préférée de Black Ops 4, quelle était votre map préférée de Black Ops 4, voilà. Venez me suivre sur Insta, il y a plein de choses sympas qui se passent comme ça. J'aimerais juste avoir les 10 000 followers pour avoir l'option swipe, parce que oui, pour le swipe, il faut avoir 10 000 followers. Ah, puis d'ailleurs, c'est bien, depuis la mise à jour qu'ils ont fait le 30, je crois que c'était mardi 30 octobre, la mise à jour, tu gagnes enfin plus d'XP en fonction de ton mode de difficulté, parce qu'avant, en fait, si t'es en réaliste ou en facile, bah tu gagnais le même nombre de points XP. Donc autant te dire que si tu prenais le risque d'aller mourir en une claque, tu gagnais autant d'XP que si tu mourrais en 5 claques. C'était pas très cool quoi. Et là non, maintenant tu gagnes plus d'XP si t'es en hardcore et encore plus en réaliste. Je crois qu'en hardcore c'est 1,5 fois plus qu'en normal. Et j'ai plus de bouclier. Ah oui, j'ai plus de bouclier. Réaliste c'est 2 fois plus je crois, une histoire comme ça. Ah, puis petite info aussi, je sais pas si on aura déjà... Bah, s'il y aura déjà eu des vidéos comme ça qui sont sorties. Mais je suis en train de bosser sur les préparatifs complets en solo, comme je vous ai fait sur Black Ops 3. Je vous ai fait ça sur Shadow, sur Dare, sur Gorod et sur beaucoup de maps du DLC 5. Bah, là, je vais essayer de vous les faire sur les 4 maps. Genre, c'est vraiment bah, comment setup votre partie pour faire 100 manches facilement sur chaque map. Voilà, des vidéos sans coupure, je vous montre les préparatifs complets vraiment à l'ancienne. Oh non, pas toi. Donc voilà, normalement, la première vidéo qui sortira serait sur Blood. Après, je pense que je vais faire 9, Classified puis Voyage. Un truc comme ça. Ok, fin de manche 25. Et ben encore je pense une ou deux manches, puis on sera niveau 55. On pourra donc quitter la partie, passer notre prestige. Ah oui, comme j'ai dit au passage au prestige 1, venez vraiment me suivre sur Twitch parce qu'il y aura... Bah en fait, là je tourne ces vidéos le 31 octobre et la semaine qui suit le 31, c'est là où je commencerai vraiment les gros lives en journée. Donc voilà, des journées de 10 heures de live clairement, pour passer mes niveaux. Donc venez sur mon Twitch, FlappyTech2i, c'est très important. Voilà, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même des lives YouTube en journée et le soir de temps en temps, mais il y aura plus de live Twitch. Parce que Twitch c'est plus une plateforme de live. Ah putain, mais je suis en train de bégayer, c'est un truc de ouf. Pourtant juste avant je t'ai fait 40 en hardcore, là je vais en normal et je bégaye. C'est quoi le problème? Non mais j'ai l'impression de me faire taper constamment sur Black Ops 4, c'est un truc de ouf. Et c'est cool, au moins, c'est pas du casu comme BO3 clairement. Si on BO3 t'es gentil mais tu te mets dans un coin avec un servant d'un petit code sur révélation, tu fais 100 manches en 4 heures. Calmez-vous les gars. On va la 26 sur notre dernière manche de la vidéo. Voilà, après on va passer une prestige. Et j'espère cette fois avec les palladium et des les liquides divinium nouvelle génération. J'espère avoir toutes les gommes que j'ai pas, parce que j'aimerais bien avoir la totalité des gobblegums pour toutes les tester. En vidéo serait cool. Et surtout avoir du liquidation émulation. Parce que c'est un peu la gobblegum la plus intéressante avec antithèse alchimique. C'est celle qu'il me faut à tout prix. Et c'est deux élixirs, pardon, pas gobblegum, que j'ai pas. Voilà, ah, puis là j'étais en train de chercher une idée pour gratter un petit peu des commentaires parce que je suis un youtubeur qui est là pour le clic, pour l'argent, voilà, je suis flapute, oui, je suis une petite pute, effectivement. En fait, j'allais vous demander, les gars, dites-moi quel secret vous avez préféré sur Black Ops 4 en commentaire, mais je suis bête, il y a le sondage zombie qui arrive la semaine prochaine, donc je vais rester la semaine prochaine, n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne. Parfait, et là, normalement, on est niveau max. Oui, j'ai eu une blessure, parce qu'au début de la partie, je me suis fait coincer à la manche 4. Mais je suis quand même youtubeur zombie, hein, quand même, salut, les gars. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Ok, donc on a 555... ça s'appelle comment? Déjà, c'est merde? Attends. Plasma Nebulium. Ok, moi je disais Palladium. Donc bon, nous, clairement, on va prendre le truc le plus rare, parce que quand tu obtiens... Enfin, le truc le plus cher, parce que tu obtiens un élixir rare ou mieux, garanti, au moins un. Deux élixirs aléatoires et un talisman garanti. Alors que là, tu as une chance d'obtenir un talisman, et là, t'as un talisman. C'est bien les talismans, je ne l'ai jamais utilisé, je sais toujours pas à quoi ça sert. Bon, on est parti. On espère choper du bon truc. Bon, on passe l'animation parce que c'est chiant. Clairement, allez, du liquidation, immolation, de l'antithèse. J'ai pas... Je connais rien, j'y connais rien encore. Oh, on a... Force des murs, on a une épique. Mais on a toujours pas celle que je veux. J'ai deux élixirs que je veux dans le jeu, j'arrive pas à les choper. Oh, on a un bleu. Antithèse alchimique. Yes. Maintenant, il m'en faut 50. Encore un épique, cachotterie. Bah, je crois que du coup, j'ai eu 3 épiques au total dans ma collection d'élixirs. Je sais plus du tout. Je sais plus ce que j'ai. On va aller voir de toute façon ce qui nous manque après, puisque le but, c'est que je les ai tous au moins une fois. Ok. On continue. Un petit liquidation. Mon premier liquidation simulation du jeu, ça ferait plaisir. Oh, 2 bleus. Peut-être que... Encore un antithèse, yes. Ah, je suis content, là. Je suis content. Bah, il va nous en rester 30 après de plasma chouette. Liquidation, yes, putain. Enfin,
Voilà. Du coup, bah, on va prendre l'autre truc le moins rare. Comme il nous reste tout pile 30, voilà. Maintenant, il m'en reste plus. Je n'ai plus de palade de trucs là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'avec du simple, on aura quand même de l'épique? Non, on a quand même du rare. Dette 200. Ok. Eh bah, écoutez, on va aller voir vite fait ce qu'on a du coup comme élixir. Ce qui nous manque en standard, on les a toutes. En rare, on les a toutes. En légendaire, on les a toutes. Et en épique, on les a toutes. Ça y est, voilà, je suis content. Je suis content, je les ai toutes au moins une fois. C'était mon but en fait, c'était juste ça. Non ouais, c'est cool. Du coup, si on fait start, on peut passer prestige. Voilà, si vous voulez regarder vite fait mes stats, je vous rassure que, bah, que mes stats, elles sont un petit peu niquées, genre un peu nulles. Parce qu'en général, c'est comme bah, la sortie du jeu, c'est là où je teste des trucs pour les tutos. Du coup, des fois, je vais aller mourir à la manche 5, etc. Du coup, mes stats, elles sont complètement nulles. Mais on a quand même 41 000 kills, c'est pas dégueulasse. Pour combien de temps de jeu? 2 jours. Oh, ça fait déjà 2 jours. 2. Ah ouais, quand même. Bah écoutez, mode prestige disponible, je pense qu'on est là pour ça. Passer au niveau de prestige 2. Voilà, on est prestige 2 en zombie. Félicitations, vous êtes maintenant prestige 2. Merci mec, ça fait plaisir. On a un jeton de prestige du coup qu'on peut utiliser pour débloquer quelque chose, mais je ne sais pas quoi débloquer en fait. Parce que je crois que tous les atouts... Ah, cartouchière pour les runs. J'ai peut-être me débloquer cartouchière, ce qui m'intéresse vachement pour les runs. Ou le Discord. Non, cartouchière. Je vais débloquer cartouchière parce que je m'en sers tout le temps de cet atout. Du coup, on va débloquer celui-là. Voilà, utilisation permanente, l'objet a été débloqué. Et bah voilà, Flapix, Prestige 2. C'est cool, je suis content. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est assez court, je sais, mais bon, c'est les passages au prestige, y a pas grand-chose à faire, à part faire une petite partie pour monter le reste d'XP qui nous manque, passer notre prestige, ouvrir les Divinium 2.0, et puis voir ce que nous a donné. Bah oui, d'ailleurs, qu'est-ce que nous a donné la récompense de prestige? J'ai pas regardé, je pense qu'on doit avoir une petite carte d'identité. Je pense. Ouais, débloquer Prestige 2. Voilà, Prestige 1, on avait celle-là. Prestige 2, on a celle-là. Bah, ce qui sont en fait en rapport à chaque fois avec ton emblème de Prestige. Parce que là, l'emblème de Prestige, c'est un dragon avec un œuf, je crois. Bah, c'est comme la carte. Et puis là, c'est pareil. Voilà, comme le Prestige 1. Bah, c'est cool, voilà. Ça nous débloque donc une carte de visite. Un jeton de Prestige pour avoir continuellement quelque chose. Genre, tu vois, comme là, je me suis débloqué ça pour tout le temps l'avoir. J'espère que ce passage au Prestige 2 vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et franchement, n'hésitez pas, ou au moins, juste aller faire un tour sur le site Gunnar quand même pour les remercier. Juste qu'il m'ait offert encore une fois des nouvelles paires de lunettes. Je trouve que celle-là, elle me voit un peu mieux. Puis ça fait moins jaune que les autres, parce que quand tu mets, tu regardes la différence. Là, ça fait très jaune quand même. Bref, la semaine prochaine, sondage zombie Instagram qui sortira bah, dimanche à 16h, comme chaque dimanche 16h. Je vous invite vraiment à venir sur mon Twitch, à activer les notifs YouTube pour savoir dès à chaque fois où je serai en live quasiment tous les jours. Peu importe la plateforme, vous verrez, ça alternera entre les deux, donc je vous invite vraiment à suivre. De toute façon, au pire, suivez-moi sur Insta, comme ça vous serez tenu au courant bah, de tous les lives que je fais. Allez, je vous fous la paix, prenez soin de vous et à la prochaine. Bande de beaux mâles.